Ils étaient une centaine de paysans de la région de Koulikoro à prendre part le samedi 11 novembre 2023 à la journée paysanne de Katibougou dans le cadre du projet Sustain Sahel. La cérémonie d'ouverture était présidée par le directeur des études de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche de Katibougou qui a profité de cette occasion pour rappeler l'importance de ce projet. Le projet Sustain Sahel, financé par le programme de sécurité alimentaire durable, devait contribuer à la conception des systèmes de culture, arbres et bétail, CAB durable en améliorant la contribution du feuillage des arbustes à la nutrition, à la santé et à la production du bétail, à la qualité du fumier et à la fertilité du sol, ainsi qu'à la réduction des émissions de gaz à effet de serre entériques et d'origine végétale. De façon spécifique, cette contribution s'articule autour de sept objectifs dont les résultats devraient générer l'impact ultime suivant: résilience et intensification du potentiel du Sahel, rehaussement des systèmes de production et amélioration des moyens d'existence des petits exploitants, l'incapacité du secteur agricole africain à assurer le droit à l'alimentation des populations sur sa source du modèle conventionnel, caractérisé par la destruction des équilibres écologiques au profit de l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Ce modèle a non seulement montré ses limites à assurer la sécurité alimentaire, pire, il a engendré d'énormes externalités négatives sur l'environnement, les ressources naturelles et la biodiversité. Après cette cérémonie d'ouverture, les participants ont été amenés à visiter deux parcelles d'expérimentation des enseignants-chercheurs de l'IPERIFRA de Katibougou. Dans le cadre du projet Sustain Sahel, nous avons des activités en partenariat effectivement avec les producteurs, dits producteurs collaborateurs. Donc là où nous avons des essais en partenariat sur lesquels évoluent nos étudiants, mais sur les parcelles des producteurs. Et ces producteurs ensemble évoluent sur les différentes thématiques de recherche avec nous. Donc on a des essais en milieu réel avec eux et en station également sous la conduite de nos étudiants. Donc en station ce matin, nous sommes en train de visiter les parcelles de nos étudiants, et les mêmes parcelles qui sont conduites, sinon qui sont suivies par nos étudiants en milieu réel, mais cette fois-ci dans les conditions plus suivies, dans les conditions plus détaillées, en milieu de recherche qu'est la station de Katibougou. Donc la différence fondamentale ici, c'est que les essais en milieu paysan sont sous la conduite des paysans, et ici avec des conditions plus strictes de surveillance en station. Donc cela va nous permettre de comparer les deux résultats, et directement ça conduit à la vulgarisation des différents systèmes que nous sommes en train d'utiliser en station. De façon générale, le problème de l'agriculture au Mali, c'est la faible fertilité des sols qu'il faudra corriger. Et le problème aussi de l'accessibilité aux engrais qui cause aujourd'hui un problème. Tout le monde est un peu au courant de ça au Mali maintenant. Donc nous sommes en train de développer des stratégies qui nous permettent d'améliorer la fertilité des sols à travers l'utilisation de lignées, des immondes de lignées qui sont disponibles chez nous, qu'on peut utiliser, qui peut améliorer la fertilité de nos sols. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pris des lignées autochtones qui sont de chez nous, et le glissage opium qui a été introduit, qui peuvent améliorer la fertilité des sols et qui peut aussi améliorer le rendement des cultures. Donc c'est cette technologie qu'on est en train de développer. Depuis 3 ans, nous travaillons là-dessus. Nous avons maintenant des résultats qui sont assez satisfaisants, parce que nous avons vu que le glissage opium et le guérard sénégalensis donnent de bons résultats, non seulement dans l'amélioration de la fertilité des sols, mais aussi dans l'augmentation du rendement des cultures. Donc nous avons fait venir nos producteurs pour qu'eux-mêmes puissent témoigner de ça et puissent voir. Nous avons fait cet exercice-là avec eux. Ils verront que c'est glissage opium et guérard sénégalensis qui donnent de bons résultats et qu'on peut vulgariser non seulement pour entretenir la fertilité des sols, mais aussi le rendement des cultures. Conformément à l'objectif recherché, les paysans ont été fortement impressionnés par les innovations développées dans les parcelles. Et c'est les leçons tirées lors de ces visites qui ont par la suite fait l'objet d'un débat important entre les enseignants-chercheurs et les paysans. Parce que nous avons dit que nous avons dit
oye wolo bisegin ani saba de kɛ mais dɔ bɛ fɔ 27 na bon ne b'a fɛ u ka ɲɛfɔli kan ye o la kelen don k'a fɔ ko foyi ma kɛ min kɔrɔ ani fɛn dɔw kɛla min kɔrɔ kɛfɛnw tɛ kelen foyi ma kɛ dɔ kɔrɔ a jɛlen don k'a fɔ ko 15 ans hakɛ tɛna kɛ kelen an bɛ se k'a fɔ cogo dɔ la an bɛ ka o jaabi de makɔnɔ an bɛ ka o jaabi de makɔnɔ nka an bɛ don min na komi bi an ye aw hakilina de ɲini aw yɛrɛ hakilina na foro jumɛn de ɲɛna o ye aw hakilina ye an bɛna jate bɔ o kan i n'a fɔ jɛkulu bɛɛ y'a ka baara kɛ jɛkulu bɛɛ ka baara bɛna jate minɛ ani anw fana fan fɛ anw tɛna da o dɔrɔn ma an bɛna a jateminɛ kɛ i n'a fɔ ɲininikɛlaw b'a fɔ jateminɛ ka kɛ cogo min na sabula ɲinini fana jateminɛ sariyaw de bɛ yen walasa i k'a ɲɛfɔ. La journée a été une grande réussite au regard des différents témoignages qui ont marqué la fin des travaux. An y'a daminɛ a ma mɛn an kɔni ye bolodali fɔlɔ minnu kɛ
anganye mwa era kumano kanjo traudi anye la ine folomi ke ame faka barata tatu kumi anyo uchi o seven blakata blakformu kwenye ame faka a developi peka ini demensoro akukona ambara kenyo kwa akili la anu kako boloda la anfen fendi so yukona yambi ame faka segi ni yukona kana anjero kwa yoro nan kelen kelen be segira ni nyokon kan anga yorawla anye mime anye minye nan segro ka anga yorawla no onye na an sigi nyokon fana bi segi ko nyokon kan o kaso murun te metona do nan nye na ko lu bi segi kata nyokon ku ka dukula ni besira ka bagamara ani sene ko lo sa nyokon na ka musaka bota dogoya ka soro jidi dunga fabina ni projet na kwi donc non c'est vraiment un mot de remerciement et de satisfaction en tant que directeur de la recherche de Périfra de Katibou. C'est que vraiment j'ai vu et c'est que les témoignages que j'ai écoutés ici pour rejoindre ce que le secrétaire exécutif du CNRA vient de dire. Vraiment, ça m'a comblé. Parce que la recherche doit effectivement nourrir la pédagogie. Et je pense que tout ce qu'on a vu aujourd'hui en termes de dispositifs pour améliorer d'abord la fertilité du sol, ensuite vraiment faire, comment on appelle, évoluer la productivité, que ce soit en mil qu'on a vu au sorgho, ou un ñebe qu'on a trouvé entre-temps, les Koulibaly ont déjà récolté, ça nous a sérieusement marqué. Aujourd'hui, on peut vraiment introduire ce dispositif vraiment dans la pédagogie générale à l'IPR Ifra de Katibou. Grâce à vous, les producteurs, les paysans collaborateurs et l'ensemble de ces acteurs qui ont pu concevoir et mettre en œuvre ce projet, on a dit à l'introduction, intégratif, parce que c'est au niveau international, 10 pays, mais surtout au niveau de l'Afrique ici. On a vu les 3 pays, Sénégal, Burkina et nous. Nous pensons que nous avons le flambeau très haut en termes de résultats et de témoignages, ce qu'on a vu aujourd'hui.